Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Ce qui suit est la parole de Dieu. Waouh, vous voyez les fleurs sont jolies. Mais la parole de Dieu aussi, c'est très beau, c'est très important. Alors je te laisse l'écouter. Prends également ta Bible, tu peux aussi suivre, étudier la parole de Dieu entière sur la chaîne Nance Reborn. C'est pourquoi je te demande en même temps, abonne-toi dessus cette vidéo, active la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo, la prochaine parole qui va sans doute te faire plaisir, t'aider et sauver ton âme. Bon visionnage à tous et je vous dis à bientôt sur Nance Reborn pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Psaume 8, au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.